Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et hey, y'a petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo tirage les gars, avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu car beaucoup de personnes regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc vraiment abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Les gars, si vous avez des questions c'est sur Insta les gars, et mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez aussi pas à rejoindre mon clan les gars, collusion, on est pas mal, je dirais tout le temps le dernier et les inactifs et puis voilà. Donc je suis en 3-0, on va juste aller chercher ça. On va prendre que les cartes de gauche tout le temps. Donc c'est parti. Voilà, pour prendre les cartes de gauche. Alors personnellement, la première carte j'aurais choisi l'artificiaire. Ensuite j'aurais choisi, je pense, la mousquetaire. J'aurais choisi la boule de feu. Et je pense que j'aurais pris le fusil squelette. Donc ça va. Ok, quand c'est pas un petit fusil squelette, ok, mais direct le roi mineur. Le roi mineur. Le maître mineur, voilà, le mot cherché. Ok, ça c'est clean. Bon, là il a fait de la D. Ça sert à rien ce qu'il vient de faire. Ok, c'est la D, je suis obligé de cancel. Est-ce que j'y arrive? Ah, le roi mineur qui fait vraiment mal. Hein. Je pense qu'on a une petite reine au pont ici, là, une petite contre-attaque assez sympathique. Il peut être pas mal. Là, on met de très très bons dommages grâce à cette reine. Malgré son œuvre qui reste quand même très très forte, hein, mais pour que ça se voit qu'elle est moins forte, donc déjà c'est bien. Ok, mais une foreuse. On va aller la défendre avec un arty. Avec un arty, ouais, de ouf. Avec une arty, hop, on va mettre le petit esprit, c'est pas prendre trop cher. Et puis voilà, tranquillement. Je pense qu'on va se mettre un petit fusil squelette en plus, là, en pression. Peut-être qu'il peut protéger l'artificier un petit peu, nickel. Là, on a pas bien mis le fusil squelette. Ça, on l'a bien mis, mais il a bien mis sa T2, je veux dire. Ok, l'article qui va les mettre un petit coup, ça c'est une bonne nouvelle. Ok, mais mousquetaire panique. On sait qu'il a plus d'élixir. Donc, je vais juste aller faire avec des fripons. Ok, là, il a vraiment zéro pour le coup. Ok, parfait. Et là, je pense que dès que je peux, je vais mettre la reine au pompe, parce qu'il va devoir défendre les fripons. Et il aura zéro d'élixir. Voilà, il a zéro. Hop, on va mettre la petite reine au pont tranquillement. Et on va aller prendre, je pense, cette tour. Ok, parfait, la tour qui est prise, on va aller remettre les archers ici. Et voilà, on a fait une très très bonne défense. Et on a quasiment pris deux tours déjà, c'est une très très bonne nouvelle. En plus les gars, ce qui est bien, c'est qu'avec ce défi tirage, on va pouvoir farm les badges. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et il nous laisse la tour. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Je pense que je vais assumer les dommages, ou juste mettre une boule de feu, maintenant genre. Hop, parfait. Là on peut mettre un petit esprit de glace ici, tranquillement, avec une petite Tesla, hop. Tesla, bon ça c'était vraiment de la merde ce qu'il a fait. Ok, bon tant mieux. Ce qu'on peut faire les gars, c'est ça. Hop, on va laisser. On va activer sa capa, comme ça, invisible. Et là c'est pas mal. Là comme ça, ça focus la reine, le squelette il gratte. Et on va aller prendre un petit 3 couronnes pour cette première game, assez facilement les gars, tranquillou. Sans trop de problèmes. Et voilà, on va récupérer ces petits gemmes qui sont plutôt pas mal. On va aller s'ouvrir ce petit coffre du palier. Et voilà, ça c'est parfait. Ok, allez, c'est parti contre Victor BG. Peut-être qu'il nous connaît, peut-être pas. Ah mais on a dit que les cartes de gauche, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'allais choisir et tout. Bon, j'aurais clairement pris le ballon. Ouais, là c'est la sauce là. Là frérot, j'ai des sapeurs contre 3 ballons, c'est pas ultra value. On a des archers qui sont quand même très très forts. On va mettre un petit bombard au pont, on va te bat les couilles un peu. D'accord, donc lui bat les couilles tout court, hein, il me semble. Ah ouais, lui bat les couilles tout court. Hein. On va se mettre le petit maître mineur ici. Et là, on va avoir fait une petite... la esquive de la loutre. Là, on a des sapeurs. Regardez-moi ces sapeurs, les gars. On va aller connecter un petit sapeur, c'est pas mal. Le maître mineur qui s'est fait péter le cul par contre. Hein. Ok, mais le roi que c'est pas grave, on a la Valkyrie. C'est l'actif de capa, ça sert strictement à rien. On va les mettre des petits gobelins en plus. Ok, sa princesse qui était vraiment à chier pour le coup.
On a le maître Miller encore. Je pense qu'on va l'envoyer au pont, ici. Tranquillement. On va le mettre de sa part en pression. Est-ce qu'il va défendre le maître Miller? On voit qu'il va être capable alors. Et on va aller prendre cette tour. Nickel. Voilà, Fouros est vraiment fort. Hein. Enfin, la maître Miller est vraiment fort quand même. Hein. Ok, on va aller mettre ça là. Hop. C'est chiant qu'on ait pas les skins des troupes en tirage, parce que moi j'ai le canon 3 étoiles du coup. On appuie sur le ballon, je pense que j'en avais juste des petits, tranquillement, des petits gobelins lance. Le bomber qui va faire son taf. Le bomber qui fait même plus que son taf, ça c'est chiant. On va aller mettre un petit zap ici, tranquillement. Voilà. En plus on connaît que les deux sapeurs, là on est bien. Là on est vraiment bien dans la game. Ok, ça c'est chiant, mais c'est pas avec cette fois 2. On est vite la maquille ici, tranquillement. Nickel, on met les petits gobelins à lance. Ok, il a mis très mauvaise capa. Donc tant mieux pour nous. Là, on va faire la technique de gros fils de pute. C'est-à-dire ça. Là, c'est connecté directement à la tour et on va aller prendre cette tour. C'est très très fort le maître mineur en vrai. En vrai de vrai, il est très très fort. Ok, les sapeurs qui connectent, on va pouvoir remettre le maître mineur ici. Ok, très mauvaise princesse de sa part. On va laisser sa tour comme tout à l'heure, on va laisser la tour, mais on va aller prendre tranquillement ce 3 couronnes encore une fois les gars, on ferme très vite le pass, ça c'est une très bonne nouvelle. Parfait. Bon, on va récupérer ces petits gemmes. Que les cartes de gauche, on l'a dit. Bon, je vais clairement prendre ça de nuit. Et en vrai, j'aurais pris la même chose, je pense. J'aurais quand même pris peut-être la machine, pas l'artif. J'aurais quand même pris. En fait, non, j'aurais pris toutes les cartes qu'il a quasiment. Oh non, putain, là, ce. Sa mère. Bon, le maître mineur, je suis content de l'avoir parce qu'il est super fort. Hein. Ok, là on va tout ça daronne. On va aller, je pense qu'on va laisser mon mineur là, j'ai pas envie de le perdre maintenant. En plus on a la petite bombe qui carry là. Elle met les petits squelettes en plus. Ah, je voulais que la machine tape dessus, c'est pas grave. Et je pense qu'on va commencer à se construire un petit push comme d'élixir. Ok, l'article qui gère à droite, c'est pas mal. On va aller faire tourner toutes ces petits recrues royales. On va attendre un petit peu à notre artière, mais on peut pas qu'elle meure. Notre artière maintenant. Voilà, nickel. Parfait, on va le maître mineur en plus. Ok, on va aller mettre le petit zap ici. Clairement, pire zap eu, hein. Ok, on va aller mettre le. On va mettre la capacité du maître mineur. On va aller mettre les dégâts de la bombe sur la tour. Puis les troupes. Et là, c'est la merde. Bah là, écoute, on va défendre comme on peut. On défend avec le moyen du bord. Les petits squelettes qui vont faire leur taf là. Ok, c'est pas mal. On est en retard. Il a rien pour défendre notre gun d'élixir vraiment. Genre, il a pas de méga chevalier de connerie dans le genre. La machine qui va être relou, je pense qu'on va tanker, je sais pas quoi tanker. On va tanker avec des barbares. Hop. Ok, on va mettre une artie au fond. Hop. On va essayer de snipe ce chasseur un petit peu. On va aller mettre le maître mineur ici pour aller dépop ce. Le petit gun de glace pour tout tanker. Hop, petit zap des familles. Là les gars. On se met bien. En vrai, je peux peut-être essayer d'aller forcer. On va mettre la capacité directement. On va aller mettre l'arty au pont à gauche pour détruire ses recrues royales. Avec un petit gun de glace ici pour tanker. L'arty qui fait un gros travail parce qu'il a pas de sort pour le gérer. Il garde très très chiant quand on a pas de sort. Et on lui a pété le cul, littéralement.
Hop, on peut continuer. Là, on met le maître mineur, évidemment, à l'opposé. Pour tenter le 2 couronnes, au moins le 2 couronnes. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour 3 couronnes. Allez, 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 on pousse, on pousse, on pousse. Let's go, les gars, let's go. Troisième 3 couronnes, les gars. C'est comme ça qu'on veut qu'il marche tout. Je choisis absolument pas mes cartes. Hein. Vraiment, c'est toutes les cartes de gauche. On récupère ces petits gemmes. Hop. Parfait, est-ce qu'on n'a pas de nouveaux trucs? Non. Ok, c'est parti. On part dans cette avant-dernière game de la vidéo. On prend tout ce qui est à gauche. J'aurais pris la mousquetaire. J'aurais pris le cochon ici. J'aurais pris la princesse. Et là, j'aurais clairement pris le molosse. Parce que là, là c'est dire qu'en fait, pour eux, le molosse, qui est celui de condition, c'est vrai. Le gars de glace aussi. Donc là, on le connaissait, c'est le gars de glace. Ah non, j'ai le cochon, c'est vrai. Ah bah ça va alors. J'ai le cochon, ça va. J'ai eu peur. Putain, c'est vrai que j'ai eu... Oh putain, sans le cochon là, mais c'était la hesse là. Sans le cochon, c'était la giga hesse. Ah non, c'est la cochon, c'était la... La débandade là. Hein. Écoutez, je pense qu'on va aller mettre un petit maître mineur ici. Un petit cochon opposé. Et on va pouvoir... Excusez-moi, je suis en train de décéder, excusez-moi les gars. Ok, on va mettre cette petite archère plus un golem de glace. Oh, faut que je bois. Ouais, c'est quoi cette foreuse? Ok, why not. On va se mettre le maître mineur en plus. Le maître mineur qui fait quand même le taf, en vrai de vrai, qui fait le taf. Ok, technique de la loutre ancestrale. Ok, parfait. On va aller, je pense, prendre la tour. Ok, bon, j'abuse un peu quand même. Elle m'a de très bons dégâts avec le cochon, ça c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que nous en met quand même beaucoup aussi avec son fantôme. Et malheureusement, on revient à égal. Ça, c'est chiant. Ok, on va mettre cette sorcière. Là, c'est la hesse, là. Là, les gars, si on perd la tour, je vois mal comment je peux défendre ça. Voilà, on va perdre la tour. C'est pas grave. On va se mettre juste un petit zap, histoire de prendre un 3 couronnes. Une petite chauve ici. Voilà, frérot, t'abuses. Là, tu forces, là. On va mettre le maître mineur ici pour tanker pour le fantôme, parce que sinon, on va prendre trop cher. Ok, là, on va pouvoir mettre un gros push, peut-être. Ok, on va faire comme ça. Ça me paraît pas trop mal ce que je viens de faire. Ok, rate sa foreuse en plus, ça c'est parfait. Ok, on va essayer d'utiliser la technique de l'outre ancestrale. Ok, ça va pas vraiment marcher comme je voulais. On va aller zap ça. On va mettre juste le golem de glace ici pour faire tourner. On va essayer de recycler un cochon très très vite. Je suis en train de crever les gars, c'est abusé genre. Et là on a un bel avantage là. Là c'est pas mal, on a un très très bon avantage. Ok. On peut utiliser la technique de la loutre ancestrale du maître mineur. Ok, bon j'ai clairement envoyé au suicide, mais c'est pas grave, au moins ça peut me détruire quelques troupes. Là il faut se concentrer. Là il falloir pas que je faille. Ah c'est qu'il a un molosse. J'ai oublié ça. On va voir de faire ça un petit peu, on va mettre ça sur Denis aussi pour aller aider un petit peu. Ok, parfait, là on va mettre le maître mineur ici, on va aller faire tourner un petit peu toutes ses troupes. Ok, parfait. Il met une très mauvaise foreuse ici, on va pouvoir mettre ses petits archers ici tranquillement pour aller détruire ça. Parfait. Là on est bien. On peut utiliser ça pour la bombe. Ça peut être intéressant ici. Je pense qu'on va gagner de glace, on va mettre une sorcière de nuit, des archers, on va mettre un cochon ici, panique, carrément panique, je l'ai raté en plus. Oh une merde d'avoir raté ça. Attention quand même, à pas se faire déborder. Le maître mineur qui est pas la meilleure défense, hein, clairement, pour la foreuse.
Attention, attention qu'il n'ait pas de grosseur, ça serait quand même chiant qu'on perde la game sur ça. Ok, ça c'est parfait. On va aller vite mettre l'assassin de nuit. Hop, ici vite. Oui, je suis en train de tryhard, clairement. Ouais, il full spam, je peux pas faire grand chose en vrai. Ok, il a bien joué là, a changé d'endroit. Ouais, mais je peux pas passer, frère, c'est. Il y a trop de trous sur le terrain. Dommage, première défaite, c'est pas grave. On a fait quand même 3 très beaux 3 coins juste avant. Train de mourir cette game. C'est dommage qu'on ait pas de sort. C'est un peu my bad celle-là. Celle-là, on aurait pu la gagner en vrai. J'ai un peu fait de la D. On aurait clairement pu la gagner. Ok, bon, tout à gauche. Là, j'aurais choisi l'envoleuse. Là, j'aurais choisi le maître mineur directement. Là, j'aurais choisi le ballon. Et là, j'aurais pris la machine. Ok, bon. On est contre Asman, un Français. Peut-être qu'il nous connaît. Hop. Je pense pas, mais c'est pas grave. Ils sont très chiants avec leur foreuse de merde là. On a un gun d'élixir. Ok, bon, on va essayer de faire un truc. On va essayer de tenter quelque chose. Je pense qu'on va aller roquer de ça. Hop. Là, on a le gun à Samacan pour aller tout snipe. Ok, là, le bon esprit de feu là de ma part. Le bon esprit là. Très très bon esprit de ma part. On va prendre une petite voleuse opposée en spam. On va essayer de mettre une pression, on va continuer à mettre de la pression, c'est pas mal. Ok, très mauvaise force de sa part. On peut pas la roquer parce que avec sa capa elle va être chiante. Oh non, le proche, je pense que ça défend. Même si c'est capa, je pense que ça défend. Ah ouais, nique sa mère la capa, d'accord. Après un coup, mais c'est pas grave. Rien de dramatique, on met un petit esprit ici pour tanker les gobelins. Essayer de garder notre gobelin Samacan en vie. On met une petite voleuse ici en pression. Ok, on va continuer une pression les gars. On a le maître mineur derrière pour aller gérer s'il met quelque chose. Hop, parfait. On prend ce deuxième tour assez facilement. Asman, pas très très fort, donc ça va, franchement. Ok, bon, il nous reste 3 couronnes. Merci à toi, mon frérot. Bonne chance. Hop, nickel. Bon, petite free win. Et donc, plus qu'une game déjà. Ça passe vite, en vrai, 20 minutes à 18 minutes déjà. En vrai, ça. Après, j'ai quand même fait 6 games. Ouais, ok. Est-ce qu'on a des. On n'a pas de badge toujours? Ok. Ok, on va récupérer des gemmes. Et notre dernier, c'est une cage d'or pleine, il me semble. Ça n'a pas trop de sens, mais voilà. Bon, là, j'aurais clairement pris le marché. C'est ça. Là, bah, là, j'aurais pris le GR, par contre. J'aurais pris l'arme squelette. Ok, là, j'aurais pris la machine aussi. En vrai, là, on a un vrai deck, mais lui aussi, du coup, c'est pas ouf. Sauf que lui, contre mon deck, quoi. Ok, bonne chance. Bon, j'espère qu'on a... On a une tornade, on n'a pas de tornade, ça va être chiant. Ok, on va déjà mettre de très très bons dommages sur cette tour. Ok, ça c'est parfait. Ok, ma roi squelette. Là, nous, ici, notre maître mineur qui va aller faire son taf. Ok, s'il se fait trop exploser, on va juste mettre la bombe ici. Voilà, nickel, la bombe qui va faire son taf normalement. On va pouvoir mettre ici normalement un petit mineur qui va tanker cette machine. Et ça me paraît pas trop mal, on va les mettre de très bons dommages, on va les flash directement ça pour pas que l'armée squelette nous fasse chier. Et on va mettre un petit sas de glace ici pour temporiser tranquillement cette fournaise.
Et on est plutôt bien dans la game là pour l'instant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, on va assumer quelques dégâts, je pense. On va assumer cet esprit. Et après, je vais mettre une petite machine. Ok, on va d'abord défendre ça. Sinon, le mortier va prendre les dégâts de ça. On va les mettre en mitre mineur ici pour les cochons. Waouh, c'est quoi ça? On va les mettre des flèches ici. Wesh, frérot, le maître mineur, il me fait quoi là? Ok, parfait. Je pense qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va faire comme ça. Et là, on va faire ça. Et là, c'est pas mal. Ok, bon. Il a bien défendu. On va mettre une petite arme squelette, un petit cyclas ici. Et je pense qu'on va s'installer comme des petites recrues full map là, ça peut être pas mal. Petites recrues là, elles peuvent être Gucci. On va aller flash ça. Il a plus son musket dans tous les cas. On va se mettre un petit mortier offensif ici, tranquillou. Avec une. On accompagne avec la machine volante. Je pense qu'on va aller mineur cette mamie, ce qui va vraiment nous faire chier sinon. Ce serait même. Oh, nickel, la mamie est morte, ça c'est parfait. Ici, on a de quoi défendre. On a le maître mineur, on a ça c'est glace pour. Ok, il met quelque chose. Ok, parfait. On va aller reflèche. Je pense qu'on va juste flèche chacun dans tous les cas quand on n'a pas de. Ah, c'est un mineur, ça va. Oh, bah, chill alors. Allez, juste mettre un petit mortier def. On va aller mettre le mimi. Ok, il a aussi une foreuse, très bien. On a les gobelins ici. Qui vont permettre d'aller défendre. Et on va aller prendre cette dernière game contre Senual de Pepe Monkey. Et c'est une très bonne nouvelle. On puisse enfin win une game. Enfin, je dis plus enfin, mais non, en fait, on avait déjà quasiment tout win. Ok, on va se récupérer 8000 d'or en plus, c'est une très bonne nouvelle. Et puis les gars, je vous ferai une vidéo pour le tournoi. Demain, la vidéo Géant Royal, les gars. Pour un abonné qui me demandait. Donc demain, Géant Royal, vidéo sur le Géant Royal. Pour ceux qui sont restés là, n'hésitez pas à marquer hashtag draft. Et puis voilà, c'était vrai coup, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le pouce bleu. C'était vrai coup. Ciao, ciao.